Et coucou les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une petite vidéo partage comme on aime, un peu diversifiée avec de tout. Mais avant de commencer, je voulais vraiment vous présenter cet aspirateur de la marque Ultenic. C'est pas la première fois que je présente des produits de cette marque-là, que j'aime beaucoup et que je découvre d'ailleurs car je connaissais pas du tout. Et là, je vous présente le D5S. Il a une jolie couleur noire brillant, je vais le tester, j'avais trop trop hâte. Du coup, j'ai dit à mon mari, c'est ton binôme, c'est toi qui vas t'en occuper. Voilà, les hommes ne passent pas l'aspirateur, hein, les préjugés. Ben là, ça sera son petit binôme et c'est lui qui va s'en occuper. D'ailleurs, je remercie cette marque de me faire découvrir leurs produits. En plus, un aspirateur comme ça fait longtemps que j'en rêvais. Du coup, ben voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc apparemment, il y a plusieurs accessoires. Donc là, c'est le secteur où il va venir se recharger. Vous avez une télécommande, il y a les piles. Voilà, vous avez la brosse pour nettoyer votre rouleau. Voilà, c'est simple, hein, on découvre hein, le réservoir de vidange, les petites roues, la petite roue devant qui permet les rotations. Voilà, devant, il y a les petits capteurs. Allez, on va lui installer ses petites hélices. Moi, j'appelle ça les petites papattes. C'est trop rigolo, on dirait, je sais pas, un petit animal. Ça me fait trop rire. Du coup, voilà, il y en a deux. Vous en avez trois, en fait. Une de rechange au cas où. Voilà, c'est ma façon de vous présenter mon aspirateur. Je n'ai pas les bons termes et les bons arguments. Mais vous allez voir, il est trop sympa et d'une haute capacité. Franchement, j'aime trop. Éclater et faire tout le bas quoi. S'il a la force, ça va être tellement grand qu'il va être fatigué le pauvre. Là, je vous montre l'effet serpillière sur un joli sol en bois chevron comme ça, magnifique. Car sur le mien, on ne voit pas. Du coup, on voit bien qu'il laisse derrière lui les traces d'eau, vous voyez, donc c'est assez léger. Mais au moins, ça permettra de dépoussiérer en profondeur. Donc moi, pour l'instant, je le fais pas avec mon carrelage actuel. Mais quand je changerai, je profiterai de cette fonction-là. Bon voilà les amis, le petit test aspirateur est terminé. Maintenant j'aimerais bien qu'il aille dans son secteur de rechargement tout seul. Je l'ai mis très très loin là-bas dans mon salon. Et j'aimerais bien voir ben, s'il a aucune difficulté pour y aller quoi. Donc profitez, il y a un code promo pour messieurs. Moi franchement je suis contente de l'avoir, mais ça sera plus pour monsieur. C'est lui qui va s'en occuper, ce sera son binôme et voilà. C'est à lui de s'en charger. Monsieur ne passe pas l'aspirateur. Sachez-le, mais au moins là, il pourra s'amuser avec avec monsieur Robot Aspi. On va lui donner un petit prénom. Pourquoi pas?
En tout cas, profitez pour la fête des pères. Il y a un petit code promo que je vais tout mettre là en barre d'infos et sur l'écran aussi. Voilà, si vous êtes intéressé. En tout cas, moi, je valide. J'aime trop, trop, trop. Il est quand même assez puissant, hein. Il est pas lent du tout. Bon, là, il ralentit parce qu'il va dans son secteur de rechargement. À chaque fois qu'il va dans sa petite maison, là, du coup, il y va tout doucement. Mais niveau aspiration, franchement, nickel. On va même le vider et je vais vous montrer. Allez, c'est parti pour la vidange. Donc, on n'a plus qu'à retirer le réservoir. Regardez la poussière, déjà, rien que là. Franchement, et encore, je ne l'ai pas laissé tranquille vu que j'ai fait le test. Je le laisserai travailler tranquillement. Mais regardez tout ce qu'il a pu bien ramasser. Toutes ces poussières rassemblées, c'est génial. Je valide en tout cas. Allez go, petit déjeuner avec ma fille Mélina. On va aller faire un tour chez Action. J'ai besoin de quelques articles. Ça fait très très longtemps que j'ai pas été faire un tour chez Action. Voilà, donc pour faire ma terrasse. Bon les amis, ma terrasse, elle est bien faite ici en bas, mais en haut, ça fait peur. Donc objectif, c'est faire une petite terrasse en haut dans mon balcon. Hein. Pour moi, quoi. Après, on va à l'action. Qu'est-ce qu'on va faire, Mélina? Il faut que je trouve une solution pour ce palmier là-bas. Vous voyez où est-ce que je l'ai mis? C'est la jungle chez moi. Il est beau là-bas. Franchement, il est trop beau là-bas, mais le problème, c'est qu'il tombe. Les troncs, ils sont trop fins. C'est quoi cette mouche là? Voilà. Je sais pas, pourtant, j'ai mis un gros pot. Hein. Bon, il n'est pas assez gros apparemment. Il me faudrait un gros pot, le remplir de gravier, plus mettre des grosses pierres là que j'ai dans mon jardin. Là, quand il y a du vent, il tombe, c'est pas possible. Il me fatigue. Il me fatigue ce palmier. Sinon, j'ai un peu épuré là, il n'y a plus rien. J'ai gardé que celui-ci là. Alors, j'ai gardé quoi là? Là, j'ai gardé que celui-là. Enfin, les petites branches de palmier. J'ai gardé les camélias, ça c'est des vrais. Camélias par là. Celle-ci de Jiffy, c'est une fausse. Je l'ai gardée. Et le petit palmier là. Sinon, j'ai enlevé tout le reste. Tout le reste, tout le reste, tout le reste. Là, il y a des vrais palmiers dans le puits. Voilà. Mais en haut, c'est la Voilà les amis, ma tenue du jour. Tout beige. En ce moment, il fait trop chaud, donc je m'habille que en beige. Que comme ça, il me faudrait des chemises en fait. C'est ça qu'il me faut. Bon voilà, allez, on s'en va. Mélina, elle va me ruiner à Action, je le sens. Qu'est-ce que tu m'as dit? Elle veut des bonbons. Non, mais mordre des bonbons. Ah, c'est zado, c'est juste pas possible. Moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas été à Action et c'est juste pour la terrasse en haut, hein. Juste un truc à acheter si je le trouve encore. Parce que je vais faire avec tout ce que j'ai, vous allez voir. Voilà, voilà. Allez, go, c'est Mélina qui démarre. Action, tu passes à l'action. Bon, non, le pain de vie, c'était chez Leclerc, ça n'a rien à voir. Les courses que je fais, moi, c'est du n'importe quoi. Mon fils, il a la sortie scolaire. Je voulais pas me casser la tête, je lui ai pris de la mortadelle, du jambon, là. Pain de mie, voilà, je vais lui faire ça. Je vais lui faire ça avec peut-être un fromage, sa gourde que j'ai pris chez Lidl. Elle est où sa gourde? Enfin voilà, on va lui faire ça, mon fiston. Voilà, et ça, c'est mes courses Action. Je passe à l'action. Lina, redonne-moi le sac. J'ai pris quoi chez Action? Juste ça pour mon balcon là-haut, pour la terrasse. Je vais vous montrer de toute façon. Pour la faire, j'ai pris. Alors, je sais pas si quelqu'un les a, c'est lait de plat. Voilà, je vais faire une allée en fait. Je vais faire une allée avec des graviers et tout pour mon. Là où il y a mon portail, là, c'est dégueulasse. Tout est sale quand il pleut, il y a de la gadoue. J'espère qu'ils vont être beaux. Je vais en tester un. Je vais le mettre au soleil aujourd'hui. Voilà, donc j'avais pris 6. J'avais pris combien? 6 ou 8? Je crois qu'ils sont à 3 euros, hein. Le. Mais bon, c'est pas cher, hein, cette action. Hein. Voilà. 4 de chaque côté, ça suffira. Voilà, l'été jardin. Mais Lina, passe-moi le mon autre embout. Ça, à chaque fois qu'on les achète, à chaque fois on les casse. Voilà, ça, des trucs qui durent. Ça, j'ai pris une rallonge, ça j'ai besoin. Ça, je sais pas pourquoi j'ai pris. À chaque fois chez nous, on cherche des rallonges. J'en ai pris une. Alors, Mélina, bon, c'est pas grave, ça fait plaisir. J'ai pris deux aérosols. Ça, c'est à Mélina.
Et voilà pour faire mon allée. Le géotextile en fait en plastique quoi. Moi ça sera plus pour mettre des graviers blancs. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui va acheter chez Action un bateau de 2,50 m? Non, ben, il n'y a que nous. Il n'y a que nous pour faire ça. Aussi grand que la piscine, c'est pas possible. Je voulais pas, mais Lina l'a insisté. Ça mise beaucoup, moi, les miens, ils aiment trop l'eau. Ben allez, voilà, hein. c'est pas gaspillé, quoi. Ils vont s'amuser de toute façon. Puis au final, regardez, ma piscine elle est tellement grande, donc au final, ça va. Pour nager, on l'enlèvera, mais eux, quand ils s'amusent, ça fait l'affaire. Donc 15 euros chez Action, le grand bateau, là. Mort de rire, ces gosses. Regardez mes enfants ce qu'ils ont fait. Un trampoline accroché à une piscine, voilà. Interville, vous connaissez, ben, c'est nous. C'est eux. Le bateau. Ah ben je savais. Allez fiston, montre les bêtises que tu fais. Il saute et après il plonge. Qu'est-ce que t'as fait? Un jour je suis arrivée, je les ai trouvés comme ça, le trampoline accroché. Bon ça va, c'est pas dangereux. J'ai eu peur mais au final c'est pas dangereux. Regardez, je profite que je suis dans la cuisine, je vous montre ma petite acquisition, trop trop belle. Enfin, je vous dis trop trop belle, mais tant vous aimez pas. Hein. Faites pas attention à ces chaises dégueulasses là. C'est en attendant, c'est mon petit coin voilà, cuisine. Vous voyez, ma cuisine, elle est là. En fait, en attendant que je me fasse un îlot carré là, là ça va être la place d'un îlot, ben, du coup j'ai opté pour cette magnifique table que ma copine m'a trouvée hein, sur le bon coin, enfin Marketplace. On trouve des pépites, franchement elle est trop trop belle. J'aime trop. Alors l'idée, c'est que je garde le plateau central et pour le salon, que je trouve un plateau rectangulaire pour mes nouvelles chaises. Je pense que je vais faire ça. En attendant, ben, de me faire mon joli îlot, la carré. Voilà, j'ai acheté le tapis pour le mettre là et un deuxième pour le coin piscine. Du coup, ben, comme ça, on va bien mouiller là-dessus. Parce que la chienne, j'ai un petit chien aussi, enfin une chienne, une mémère. C'est une vieille chienne. Du coup, elle a trop chaud, la pauvre. Et elle aime bien venir se poser sur le tapis Hissela, là. Je vais lui faire plus de place et puis moi ça va me cacher en même temps ce petit endroit là qui est pas carrelé. Allez, je vais le mettre et je vous montre. Voilà, bon il est déjà un peu plus grand. Bon ça va, ça fait joli hein, dans le jardin. Embellissez vos terrasses, et ben voilà. Voilà, il fait 160 sur 230. C'est toujours mieux que celui-là, il est trop petit. Et j'en ai pris deux au cas où si je voulais en mettre deux comme ça et comme ça. Et un surtout vers la piscine là-bas. Il y en a trop d'herbe nous. Voilà, voilà. On va le mettre vers là, bah oui. Allez la team déco par ici, vous devez vous demander mais qu'est-ce qu'elle trafique Malika encore, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire terrasse, quoi, nouvelle terrasse. Eh ben voilà, on est dans mon balcon, regardez le bazar qu'il y a. Il y a du laisser-aller en fait à l'étage il y a longtemps. Quand il y avait ma cuisine à l'étage, ça allait, on avait une jolie table, des chaises et tout de terrasse. Mais là, c'est plus une pièce pour les chats, on n'y vient même pas, je viens à peine pour étendre le linge en fait. Et du coup, ben, y a trop de laisser aller et c'est dommage. Donc voilà, l'idée c'est d'en faire une jolie terrasse accueillante pour nous à l'étage du coup. Voilà, bon, je voulais des styles de palettes à la base, mais au final, c'est pour que je me ruine, c'est même pas la peine. Avec les éponges et tout ça, je me suis dit, je vais prendre ben, des sidari, hein, les banquettes marocaines là. Du coup, vous voyez le bazar qu'il y a, il y a de tout, de la maçonnerie, du carrelage, le petit coin des chats, c'était juste un petit peu de laisser aller. Et vous voyez, là, on voit bien l'extension du garage en bas. Donc plus tard, on va en faire en fait un grand balcon, voilà. Donc c'est parti, j'ai tout débarrassé, je viens un peu patouiller dans l'eau, là, nettoyer grossièrement. Il fait trop chaud, ça fait du bien d'avoir un petit peu de frais, voilà, histoire de nettoyer vite fait, quoi, hein, c'est pas à fond. Et je vais venir ben, installer tout ça, quoi. Donc
Donc voilà, je vais laisser sécher tout ça. Vous voyez l'extension en bas. En fait, l'idée, c'est que la rambarde arrive tout le tour. Donc ça aussi, c'est encore un projet, histoire que ma terrasse, elle soit encore plus grande. Bon, le maçon a fait comme ça. C'est toujours mieux que de mettre des tuiles qui vont venir étouffer notre balcon. Donc voilà, c'est vraiment mieux d'agrandir la terrasse plutôt qu'on voit un toit juste au-dessus, enfin juste à côté du balcon, quoi. Ce serait pas joli. Et voilà, Kitty qui est toujours avec moi. Mes chats, ils sont choqués. Dès qu'ils voient un changement, ils sont toujours là, curieux, morts de rire. Voilà, voilà. Allez, on va laisser sécher et on revient de suite. Et voici mes trois banquettes. Donc, j'ai collé deux pour que ça fasse 3 mètres et une sur le côté de 1,50 m. En voilà une qui est bien installée. En tout cas, elle, je sais qu'elle va venir squatter avec moi. J'ai trouvé ces jolies fleurs en suspension chez Lidl. Mais au final, il a fait trop chaud. Je les ai laissées même pas une heure au balcon. Elles ont de suite fané, donc je les ai vite rentrées. Tant pis, ça sera pas pour l'extérieur. Voilà les amis, le résultat dans la journée. Bon, sur le côté, faites pas attention, j'ai pas fini de ranger. Mais c'est déjà pas mal comparé à ce que c'était. Ben, c'était rien en fait. Là, c'est trop joli, donc j'ai rien acheté. J'avais tout déjà. Les lanternes, c'est à moi. Le tapis blanc de chez Maison du Monde, il était enroulé. Les voilages de chez Ikea, les petits coussins blancs, tout était à moi. Les fleurs, tout. Voilà, j'ai juste lavé les housses. Donc, ce côté-là, j'ai mis tout ce qui était pour le linge à étendre. Voilà, et l'autre côté, je vais le ranger. Là, j'ai mis un petit tableau que j'avais aussi, qui me servait plus. Voilà, je trouve que c'est sympa. Et ça nous fait un petit coin en plus, quoi, pour venir s'installer et se reposer. Pourquoi pas faire de la lecture, voilà. J'aime beaucoup en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, au départ, je voulais les customiser. Je voulais les customiser, les repeindre, mais tout compte fait, cette couleur va très bien pour l'extérieur. Je ne vais pas me prendre la tête pour le moment, je les laisse comme ça. J'aime trop le rendu le soir, comment c'est apaisant et super joli. J'aime beaucoup faire la prière de mon rebbe dans le balcon. Eh ben là, je trouve que c'est vraiment plus propre et plus accueillant. En tout cas, ça fait trop plaisir de voir un balcon bien rangé. Voilà les amis, ma petite terrasse sur les toits de Marrakech enfin terminée. C'est toujours plus agréable de voir un balcon rangé et utile. Cette pièce va beaucoup me servir le soir pour venir m'y poser. Et la journée, c'est un peu la tour de contrôle quand ils sont dans la piscine. Je suis toujours là à les observer et les surveiller. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures déco, bricolage. Pourquoi pas? Bisous, bye bye!